Bonjour les gars. Bonjour mon général. Ça va? Ça va mon général, sauf qu'aujourd'hui c'est le jour de la vérité hein. Non, il faut plutôt demander à nos frères algériens là si tout va bien. Ça va? Excusez-moi mais je suis très énervé. Inquiet, mon frère, ça ne va pas toujours. Vous doutez bien que je suis très énervé. Bon, ok, pourquoi tu es énervé? Vous avez été nul. Et maman? Non mon petit, pas d'injure, on n'insulte pas les gens, d'accord? Ok, les gens qui insultent les gens sont comment? Mal éduqués. Voilà, un peu comme les Algériens. Ils ont acheté le match face à l'Algérie. Vous parlez quoi? Petit menteur. Des gros menteurs même. Valsero, rappelle un peu la date du jour. Aujourd'hui c'est le 21. Ils ont même compris. Rappelle-les bien papa. Aujourd'hui c'est le 21. Le 21 avril, il faut préciser. Il y a quoi aujourd'hui? C'est aujourd'hui que la FIFA... Que signifie d'abord FIFA? La Fédération Internationale de Football Association. Voilà, c'est donc aujourd'hui que la FIFA va faire quoi? Doit statuer pour savoir si les pleurs peuvent pousser une organisation à refaire rejouer un match. Alors, c'est ça. Les gars, vous êtes au courant? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vas-y, on t'écoute. Niquez-vous! Quoi? Que quoi? Niquez-vous, tous! Mon frère... Waouh, mon frère, pourquoi ce genre de propos sur les réseaux sociaux? Parce que j'en peux plus, à un moment donné je parle même pour tous les gens qui ont envie de le dire. Oui, parle, on t'écoute. Inch'Allah que le match on le rejoue, Inch'Allah qu'on le joue en France et qu'on envahisse le terrain à la dernière minute. Ah bon? Sa tête ne tient vraiment pas. Mon type, rappelle un peu à tes frères les règles du football. Football, ça reste football, c'est un sport. Le football sans amusement, sans attachement, sans provocation, ce n'est pas un sport. Vous comprenez dans la compréhension? Est-ce qu'ils comprennent donc ça alors? Je crois pas les gars, voilà, on s'est clairement fait voler. Ok, mon président, qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de pleurs? Si vous êtes trop fâchés, allez voir Francis Ngannou. Hein? Ah, quoi? Parce qu'on sait que vous pleurnichez trop. Hé, ma soeur, on a eu pitié de comment? Quand vous avez atterri au Cameroun, avant au moins 50 avions remplis déjà, nous on a dit, on s'est entendu. Nous on ne veut pas des morts. Ok, ah bon? Pourquoi? Parce qu'on a vu la façon que vous avez éliminé à la Coupe d'Afrique, vous avez pleurniché là. On a décidé que non, on va vous laisser gagner. Et pourquoi vous avez pris cette décision? Pour ne pas enterrer les Algériens sur le sol camerounais. Ah bon? C'est ça. Ça peut être ça, honnêtement parlant. Je comprends maintenant. Et quand les gars l'ont gagné, ils étaient contents, hein? Je te dis que... Ma soeur, vous avez pris quelle autre décision après la victoire au Cameroun? Maintenant, on a dit qu'on va venir chez vous, dans votre pays, sur votre stade, avec vos supporters qui ont payé les billets 15 fois plus cher. On va venir là-bas vous chicoter. Ah? Alors? On vous a chicoté très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, qu'est-ce qu'ils doivent retenir actuellement comme leçon? Attention, faut respecter le Cameroun. Surtout les lions indomptables, hein? N'est-ce pas, mon président? Celui qui est fort, vient à Yaoundé. Je n'ai pas le bababab. Mon président, il faut surtout leur rappeler le mot bi au Cameroun. Vous allez savoir que bi signifie bia. Intervient rapidement. Vous comprenez? Est-ce qu'ils ont alors compris ça? Do you understand, please? Do you understand? Your English is complication for me. Ma soeur, en conclusion? Il n'y a qu'un lion indomptable pour faire ce qu'on a fait là. Ça, c'est clair. Donc, faut respecter le vert, rouge et jaune. Faut respecter le Cameroun, s'il vous plaît. Les gars, un petit a cappella pour clôturer l'édition. Onana, tu es un très bon gardien. Onana, tu es un très bon gardien. Onana du Cameroun. Onana du Cameroun. Onana, nana. Onana, nana, nana. Hey les gars, attendez un peu un instant, s'il vous plaît. Publicitaire. J'aimerais rappeler rapidement à toutes ces personnes-là qui sont dans le besoin d'une formation professionnelle en stylisme, modélisme, haute couture, décoration événementielle, esthétique, cosmétique et parfumerie, coiffure professionnelle. Appelez rapidement à ce numéro qui s'affiche en bas de cet écran. Mandat Créa est situé à Eldorado Nkomo et ce sont des formateurs qui ont au moins 25 ans d'expérience qui vous donnent cours. Ok. Président Sameto, un mot à l'endroit de ces Algériens qui nous manquent du respect. Moi,
Si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est normal, n'est-ce pas, coach? C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Un petit geste à loi Dieu pour lui dire merci. Hey, coach, pardon, laisse comme ça. Tonnerre d'applaudissements pour notre coach. Compris, non? On a vraiment compris. Un dernier mot alors pour les Algériens, les gars. Vous êtes restés à Alger pour rien. En train de pleurer, ouais. C'est de la bergerie, tout ce que vous faites. Wallah, sur la vie de ma mère. Wallah, les Algériens. On ne se moque pas des lions. Comment tu fais pour te moquer du lion? La vie de ma mère, vous allez pleurer tout le temps. L'Algérie. C'est pas l'Algérie, c'est la bergerie. C'est la bergerie, c'est l'Algérie. Pleure, c'est l'Algérien. Vous êtes là avec des moustaches comme des commissaires. Bon, ça va, on a compris, non? Mon petit, on dit quoi pour le nouveau venu sur ma page? Dis à les gens qui se abonnent à partir d'aujourd'hui. Dis qu'ils s'abonnent bien. Quand vous êtes abonnés bien. S'abonnez-vous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.